Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue à Tendance Immo. Ici Stéphanie Germain avec vous pour les prochaines minutes. Donc comme vous le savez déjà, Tendance Immo, c'est une émission qui est là pour vous aider, pour vous guider, bref, pour vous conseiller dans tous vos projets immobiliers. Que vous soyez locataire, propriétaire ou même futur acheteur, cette émission est pour vous. Et comme à l'habitude, je suis accompagnée de ma collègue Marie-Ève Roux. En forme? Oui, toi? Oui, en forme. Donc aujourd'hui, on va parler de la vermiculite contaminée à l'amiante. Donc c'est un problème qu'on ne veut pas avoir. Non, exactement. La vermiculite, donc, c'est un isolant qui a été utilisé dans beaucoup de maisons. On parle de plus de 400 000 maisons au Québec dans les années 1980. Puis on s'est rendu compte qu'il y avait des maisons qui étaient contaminées à l'amiante. C'est ça. Donc, c'est néfaste pour la santé. Et on va parler aussi justement d'inspection. Oui. En faisant inspecter sa maison, ben, on peut savoir si on a ce problème-là. Oui, ben exactement, parce que... On parle de vermiculite, comme quoi ça peut être dangereux, mais c'est pas la vermiculite en soi, c'est l'amiante. Et ça se voit pas à l'œil nu, donc une façon de vérifier s'il y a de l'amiante dans la vermiculite est de faire inspecter la maison. Et finalement, on va parler de vendre ou rénover. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi les choix entre les deux? Est-ce qu'on vend la maison ou on rénove? Oui. Donc, on va y aller tout de suite avec la vermiculite. Oui. Donc, comme je disais précédemment, il y a 400 000 maisons au Québec qui ont été construites. C'est beaucoup. Oui, bien, parce qu'en fait, dans le temps, dans les années 1980, le gouvernement encourageait beaucoup les gens à construire les maisons avec de la vermiculite. C'est un isolant qui a de très bonnes propriétés à la base, mais on s'est rendu compte dans le milieu des années 1980 que la grande majorité de la... qu'il y avait une partie de la vermiculite qui était extraite d'une mine du Montana, c'est de la mine de Libye, qui était contaminée à l'amiante. Alors là, c'est sûr que, bien sûr, ça le fait frémir les gens. Ça va, on sait tous, l'amiante, ça peut avoir des effets très nocifs sur la santé parce que c'est des particules qui sont fines, fines. C'est fine, puis ça rentre dans le système. Lorsqu'on les respire, ils se collent sur les poumons. Ça peut causer cancer du poumon ou l'amiantose, qu'on appelle. Alors, personne n'en veut chez soi. Non, c'est ça. Alors, mais en fait, moi, j'ai parlé avec différentes entreprises, puis c'est sûr que de même, ça fait peur, mais ils disent qu'il faut... Il ne faut pas s'en faire. Il n'y a pas 400 000 maisons qui sont contaminées. Et même s'il peut y avoir de l'amiante dans la vermiculite, si elle n'est pas bougée, si elle reste comme ça, il n'y a aucun problème. Non, il n'y a aucun risque pour la santé. OK. Donc, c'est seulement si, par exemple, on décide de faire des rénovations, de démolir le plafond, puis là, qu'on se rend compte que de la vermiculite. Là, c'est à ce moment-là que ça devient dangereux. Oui, parce que c'est... L'amiante, c'est des particules qui sont très, très fines. On parle de 400 à 2000 fois plus petites qu'un cheveu humain. Donc, c'est impossible à voir à l'œil nu. Puis, donc, s'il y en a... Puis la vermiculite, en fait, si les gens ne savent pas, c'est ça, qu'est-ce c'est que quoi? C'est. Qu'est-ce que c'est? Ça ressemble à des petites granules brunes, comme on retrouvait dans des pots à fleurs. Okay, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'utilité à la vermiculite. Mais pour savoir vraiment, pour avoir une image, lorsqu'on va voir, par exemple, dans l'entretoit, puis qu'on voit que c'est des petites granules qui isolent l'entretoit, c'est de la vermiculite. Okay, je pense aussi que c'est utilisé dans les planchers, dans les murs. Oui, il donc, peut y en avoir. Seulement sur le toit. Non, c'est pas seulement. Parce qu'en fait, c'est un super bon isolant. Donc, il était utilisé. Dans c'est ces logique années-là. Que oui, ce soit exactement. Mais aujourd'hui, c'est plus utilisé. Là. OK, donc, aujourd'hui, tous les murs. On parle des maisons qui ont été construites depuis 1990, si je ne m'abuse, que c'est interdit. Donc, c'est dans les maisons qui ont été construites avant. Puis, donc, c'est ça la meilleure façon de ne pas être contaminé par la vermiculite qui a de l'amiante à l'intérieur, c'est bien sûr de ne pas la déplacer, de ne pas la bouger. C'est ça, mais à ce moment-là, comment on sait? C'est de faire un... Oui, bien, en fait, souvent, il y a des gens qui achètent des maisons puis ils s'en rendent compte seulement, justement, quand ils veulent faire des rénovations. Puis là, c'est à ce moment-là que ça cause problème parce qu'ils doivent l'enlever. Tu dois tout décontaminer. Puis c'est là, bon, c'est sûr qu'on s'en... On se lance dans un processus coûteux. En plus, c'est à nos frais, je pense. Hein? La ville ne va pas payer pour ça. Non, exactement. Puis la vermiculite n'est pas considérée comme étant un vice caché par les tribunaux québécois. Donc, parce que si tu achètes une maison, tu te rends compte qu'il y a de la vermiculite quelques années plus tard et que tu poursuis les propriétaires qui ont vendu la maison, ce ne sera pas considéré comme un vice caché. Donc, OK, parce qu'eux-mêmes, peut-être qu'ils n'étaient pas au courant. Oui, puis en fait, c'est qu'à la base, ce n'est pas dangereux si tu ne la bouges pas. Alors, ce n'est pas l'ancien propriétaire qui décide de bouger, de faire des rénovations. Okay, tout ça, c'est le c'est nouveau plus propriétaire. Complexe. Donc, oui, exactement. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas considéré comme un vice caché. Mais ce qui est important de faire, c'est que lorsqu'on veut acheter une maison... Une des choses qu'il faut faire, c'est inspecter pour vérifier s'il y en a. Parce qu'à savoir, si on a l'intention d'acheter une maison pour en faire des rénovations, il vaut mieux être
d'être renseigné puis savoir s'il y en a ou pas. Puis en fait, de vérifier si elle est contaminée parce que, encore là, ce n'est pas automatiquement... Elle n'est pas automatiquement contaminée. Puis la seule façon de savoir, c'est de faire des tests par des spécialistes de l'amiante. C'est ça, par une inspection, c'est ça. Oui, exactement. Puis l'inspection coûte entre, je crois que c'est entre 500 et 800 $. Mais ça, donc, c'est pour toutes les pièces de la maison. Donc. Ça, c'est seulement pour vérifier, pour faire le test, à savoir si la vermiculite est contaminée. Pour toute la changer, décontaminer et réisoler. C'est d'autres frais supplémentaires. Ça peut aller jusqu'à 15 000 $. Oh. Donc, c'est quand même beaucoup, okay. C'est beaucoup ça, c'est d'argent. Pas couvert par aucune... Non. Aucune réglementation. Non. C'est, tout ça, c'est aux frais de, oui. du propriétaire. Exactement. Parce qu'en fait, c'est lui qui décide de faire des rénovations, comme je disais. Donc, OK. Donc, puis... c'est à considérer, vraiment, si on veut faire... Oui, c'est, exactement. C'est sûr que pour la santé, si on a des petits-enfants, on a des enfants, c'est peut-être de l'argent à mettre pour s'assurer que... On vit dans une maison qui est conforme, qui est sans danger pour, pour notre santé puis celle de nos enfants. C'est sûr que la première chose à faire, si on se rend compte qu'il y a de la vermiculite, on fait le petit test d'analyse pour savoir si oui ou non est contaminé. Si c'est pas contaminé, il n'y a pas de problème, on laisse ça comme ça. On peut entreprendre toutes les rénovations que l'on veut. Puis là, à savoir si elle est contaminée à l'amiante, bien là, il y a deux choix qui s'imposent. Soit qu'on ne bouge rien, qu'on bouche tous les trous, parce qu'on peut aussi boucher pour être sûr qu'il y a... Donc ça, ça revient moins cher, moins dispendieux de juste boucher des trous que... Oui, parce qu'en fait, c'est que si, par exemple, c'est dans l'entretoit qui est contaminé, s'il y a des trous, par exemple, on installe des luminaires ou des plafonniers, il y a des trous qui... Se sont créés. Oui, avec, donc ça peut faire bouger l'amiante, la vermiculite, donc... puis sinon, bien, c'est sûr qu'on y va pour les gros travaux, puis on décontamine. Fait que c'est un choix difficile à faire parce que c'est sûr que c'est entre 15 000 et... Mettons entre 10 000 et 15 000. Puis on parle d'un bungalow d'environ 1 500 pieds carrés. Là. Donc, si la maison est plus grosse, c'est sûr que ça coûte encore plus cher. Oui, exactement. Mais au moins, il y a l'option de boucher les trous. On fait l'inspection. Ça, c'est entre 500 et 800, c'est ça? Oui, exactement. Ça, c'est seulement, dans le fond, pour faire le test de savoir si... Okay. Si elle est contaminée. Mais en fait, il y a d'autres précautions aussi. T'sais, bien sûr, idéalement, on n'entrepose rien au grenier. Si c'est dans l'entretoit, par exemple, qui est contaminé, bon, si on n'aimait rien, on n'a pas d'affaire à aller dans le grenier. Non, donc, c'est ça, de toute façon. Puis on ne laisse pas les enfants, bien sûr, aller jouer là. Fait que c'est sûr qu'on réduit les risques de beaucoup. Puis, si, par exemple, on doit aller au grenier, on peut porter... Il y a des masques qui existent, parce qu'en fait, ça se respire. Donc, on peut acheter des masques spéciaux qui empêchent l'amiante de pénétrer donc dans les poumons. OK. Donc, Marie-Ève, une bonne façon de savoir si on a de l'amiante, c'est de faire inspecter la maison. Mais juste avant d'en parler, on va passer au topo de la semaine et on vous revient tout de suite après. Maintenant, les tapis, la carpette, ça prend vraiment de l'emphase sur tous les espaces dans chacune des maisons. C'est sûr qu'il y a beaucoup de pièces, donc ça prend une carpette. Si ta maison est pleine et vraiment, c'est juste du bois comme plancher, mais ça te prend des carpettes pour mettre un peu de chaleur. Et la tendance, ça s'en va vers ça de plus en plus. T'as plusieurs fibres dans la carpette. C'est juste que faut juste que tu t'en ailles dans c'est quoi ta tendance. C'est-tu du moderne? C'est-tu du contemporain? C'est-tu du classique? C'est-tu du traditionnel? Donc, de cette façon-là, tu es capable de, avec ton décor, établir c'est quelle carpette qu'on va mettre. Par exemple, si tu veux mettre du shag, OK, qui revient, qui est le look rétro. Donc, ici, nos shags à Aria, nous autres, 80 % de nos shags sont faits à la main. En Inde, on fait très rarement des shags faits en Chine parce que les shags faits en Chine sont faits, 90 % sont faits à la machine. Ici, en Inde, on fabrique tous les shags faits à la main. Donc, le shag, il reste toujours debout. Il meurt jamais. Il reste toujours vivant à cause de le tissage à la main. La tendance en ce moment, si tu ne vas pas dans le look ultra-moderne du shag, la tendance maintenant, c'est de la laine et de la viscose genre de look très géométrique ou avec des lignes, un peu, ça te ramène un peu dans le temps du look, on appelle ça le look maroc. Alors, si vous voyez ici, c'est un look genre arabesque, OK, qui donne une laine mélangée avec une viscose. Dans notre ligne ici, qu'on tient sur nos racks, tous nos deux par trois comme ça.
sont faites dans d'autres grandeurs. Alors, on peut les avoir dans le 5 par 8, on peut les avoir dans du 8 par 11, dans toutes des grandeurs qui sont déjà préfabriquées. Puis tout notre inventaire, on le tient tout en stock. Alors, tous nos carpettes sont en inventaire. Il n'y a rien que tu vas commander dans ça va prendre 6 à 9 mois. On n'a rien de ça. Comme vous voyez ici, qu'est-ce que je vous parlais tantôt, le look un peu marocain, fait que ça donne un petit peu encore, c'est de la laine avec de la viscose. Ça vient dans toutes sortes de designs, toutes sortes de couleurs, comme vous voyez ici. OK? Alors, ça, c'est un autre genre d'environnement pour des pièces que la personne ne veut pas avoir de la polyester, elle veut avoir de la laine avec de la viscose. Une grande tendance maintenant quand vous avez des espaces à air ouvert. Alors, avec l'air ouvert, qu'est-ce qu'on fait maintenant en ce moment? C'est que si on utilise une fibre qui est comme celle-là pour une salle à dîner qui est une viscose avec une chenille qui est très, très ras, OK? Donc, c'est une fibre qui est ras. Qu'est-ce qu'on fait d'habitude avec les espaces, c'est que si quelqu'un il décide de mettre un shag, comme on parlait tantôt, dans un salon, puis il voulait avoir quelque chose qui était moderne pour mettre dans une salle à dîner, là, on va aller avec une viscose chenille. Alors, c'est pour complémenter les espaces, parce que beaucoup de monde ont des espaces à air ouvert. Alors, ça te donne un petit peu... c'est très facile d'agencement dans une fibre à une autre. On vous envoie quelqu'un pour laver une laine parce que c'est une fibre naturelle. Une polyester, tu peux des fois enlever des taches, mais il n'y a pas longue vie sur une polyester. Une laine, ça a une longue vie. De retour à Tendance Immo. Maintenant, Marie-Ève, on va parler d'inspection. Oui. Donc, pour se protéger, on fait inspecter notre maison. Oui, en fait, si on revient à la... C'est sûr que l'inspection est importante pour toute chose, pour trouver s'il y a des vis ou s'il y a quelques problèmes que ce soit avec la maison, mais notamment pour la vermiculite, savoir s'il y en a, parce qu'en fait, c'est pas tout le monde qui sait vraiment à quoi ça ressemble. Donc, lorsqu'on fait appel à un inspecteur, c'est important de lui dire, on aimerait ça savoir ce qu'il y a comme isolant, qu'est-ce qui est utilisé. OK, donc on spécifie. Oui, en fait, parce que j'ai parlé avec un inspecteur qui me disait qu'un des problèmes avec la profession, c'est que ce n'est pas nécessairement réglementé. Et, par exemple, tu peux engager un inspecteur, puis il pourrait tourner les coins ronds, par exemple, de ta maison. Ah, OK. Alors, il me disait qu'il avait déjà vu des rapports d'inspecteurs qui mentionnaient dans l'entretoit, l'isolant utilisé, c'est de la laine minérale, donc un rapport qui est quand même assez épais, puis que finalement, lui, quand il aura passé derrière la personne, c'était pas ça, c'était finalement de la vermiculite qui avait la grandeur de l'entretoit, donc la personne n'est jamais montée dans l'entretoit pour aller vérifier ce qu'il y avait. Ça en avait, OK. Donc, est-ce mais qu'on c'est fait, sûr que là, encore là, je veux pas dire, on ne discrédite pas le métier d'inspecteur. Il y a plein de bons inspecteurs, ça, c'est sûr et certain, mais comme toute chose, c'est sûr de lui, ce qu'il conseille d'un, c'est de suivre. De suivre, oui. Okay. Dans le fond, on peut suivre. Si, par exemple, il y a des choses qui nous inquiètent, bon, on fait on le tour de la maison. Aussi, oui, c'est on ça. Fait le tour de la maison avec l'inspecteur, on lui pose des questions, on va voir avec lui, on voit les démarches qu'il fait. Puis l'inspecteur avec lequel j'ai parlé aussi, on peut qualifier le travail de l'inspecteur par le temps qu'il passe à visiter la maison. Ah, OK. Comme par exemple, il dit un bungalow de grandeur standard, si l'inspecteur dit, moi, à une heure, je te fais le tour, lui, selon lui, c'est vite fait. Et c'est sûr qu'il tourne les coins ronds, il y a des choses qu'il ne verra pas. OK. Donc, combien de temps qu'il conseille? Un 3h30 pour 3 un bungalow. 3h30 minimum? Oui. Puis en fait, hein, c'est sûr que c'est selon un avis que j'ai eu. Là. Donc, oui, il disait qu'un bon 3h, c'est certain que la personne va tout voir. Mais encore là, c'est sûr que comme on a mentionné tout à l'heure, quand on pose des questions, on fait le tour avec la personne, on est certain qu'on va avoir un bon résultat puis on va être certain de ce qu'on va acheter aussi. Non, c'est ça, parce qu'au bout du compte, on paye pour ce service-là. Donc, il faut que le service soit rentable. Puis comme si on s'aperçoit qu'il y a de la vermiculite dans la maison... qu'il faut décontaminer parce qu'il y a de l'amiante, c'est nous qui on va se ramasser avec la facture de 15 000 $ à payer. Là, c'est non, pas, non, c'est ça. Donc, on pose des questions, peut-être aussi qu'il peut conseiller l'inspecteur aussi. Oui, si on ben découvre oui. qu'on a de l'amiante, il peut nous dire, bon, voici les options. Je pense qu'ils sont formés là-dessus aussi. Oui. Ils peuvent nous donner des options, qu'est-ce qu'on peut faire, comme par exemple, comme on a dit, boucher oui, les puis trous, aussi, il y a, dans le fond, parce qu'au niveau du désamiantage, il y a des entreprises qui se spécialisent vraiment là-dedans. Okay, juste dans ce domaine-là. Okay, parfait. Quand que la vermiculite est contaminée, on peut aller voir des spécialistes de l'amiante. Si on recherche sur Internet, on peut trouver facilement. Facilement, OK. Oui. Puis, je pense qu'on peut magasiner aussi. J'imagine que ça peut, les prix peuvent varier d'une compagnie à l'autre. Probablement, oui. Donc, ça, c'est peut-être un point à considérer aussi. Et lorsque un inspecteur vient, est-ce qu'on peut se permettre de garder une copie ou même deux copies
pour automatiquement, à la fin, l'inspecteur, il donne une copie du on rapport. On peut s'en garder un ou deux pour nos dossiers. Mais moi, ce qu'on m'avait dit, c'est que des fois, on se ramasse avec un rapport ça, de gros, puis c'est pas nécessairement que... Parce qu'en fait, l'inspecteur, il fait la visite, il retourne chez lui, il remplit le rapport, il leur renvoie. Ouais, okay. Il renvoie une copie, il garde une copie. Mm-hmm. Mais la grosseur du document ne veut pas dire que ce n'est pas nécessairement une preuve qu'il a tout vu. Ah, OK. Il faut faire attention. Faire c'est sûr que si on a juste une page, est-ce que oui, la maison est parfaite? Des fois, il faut se poser des questions, là, mais... Mais un deuxième avis, je pense que c'est toujours oui. à adopter. Ah, ça, c'est sûr. Mm-hmm. C'est sûr, d'appeler, mais c'est sûr que, questions. Bien sûr, un deuxième avis nécessite qu'on paye une deuxième fois. Donc, mm-hmm. c'est pas tout le monde qui... Qui peut se payer ça. Non, exactement. Absolument. Mm-hmm. Mais il y a aussi, on peut se renseigner peut-être, là, vérifier justement si l'inspecteur, il doit certainement avoir... comment je pourrais dire, des gens qui ont des témoignages, des gens qui ont eu une expérience avec lui, donc savoir si c'est un bon inspecteur ou... C'est ça. Donc voilà, merci beaucoup Marie-Ève. On va maintenant passer à la maison de la semaine et on vous revient tout de suite après. En plus d'être fort bien située, la jolie maison sise au 970 avenue Effingham dans le quartier Chemédé à Laval a été entièrement rénovée et mise au goût du jour, ce qui en fait une propriété de choix pour les futurs acheteurs. L'intérieur de la résidence est tout à fait surprenant. On retrouve sur le palier principal la cuisine, la salle à manger ainsi que le salon à air ouverte. La cuisine est particulièrement charmante et très jolie avec son dosseret en mosaïque. Les armoires très spacieuses permettent beaucoup de rangement. Attenante à la cuisine se trouve le coin repas, parfait pour les soupers intimes. L'espace est toutefois assez grand pour accueillir vos convives. Tout à côté se trouve le salon, dont le plancher de bois apporte un charme incontestable. On retrouve sur le plancher supérieur trois chambres à coucher décorées au goût du jour. La chambre des maîtres est particulièrement spacieuse. Les deux autres chambres, de dimensions plus petites, sont idéales pour des chambres d'enfants ou encore pour y loger un bureau. Les planchers de bois sont très beaux et la luminosité est imposante dans chacune des pièces. Entièrement remis à neuf, le sous-sol est très moderne. On y retrouve une deuxième cuisine, une salle familiale, une grande salle de bain ainsi qu'une salle d'eau. La cuisine, complète, offre également beaucoup de rangements. On peut y installer un lave-vaisselle et un poêle. La pièce est si grande qu'on peut penser y organiser tous vos parties de fête. L'extérieur également a pris un coup de jeune. La façade de la maison a été complètement refaite en pierre au cours des dernières années. À l'arrière se trouve une jolie terrasse, parfaite pour profiter de la saison chaude, ainsi qu'un cabanon. Par ailleurs, le stationnement en demi-lune permet de garer plusieurs véhicules en plus du garage. Le prix demandé pour la maison sise au 970 avenue Effingham dans le quartier Chemédé à Laval est de 369 000 $. L'année de construction est 1962. Les taxes municipales et scolaires avoisinent les 3 000 Pour obtenir plus d'informations concernant cette propriété, vous pouvez rejoindre le courtier immobilier Christos Streetfast des immeubles Chrono au 450-973-1616. De retour à Tendance Immo. Pour finir l'émission, Marie-Ève, on va parler de vendre ou rénover. Mm-hmm. Parce qu'on le sait, des gens qui ont une maison, ça fait plusieurs années. Là, maintenant, ils se demandent est-ce que ça vaut la peine de rénover ou sinon, on vend puis on achète. Ça reste quand même une grande question qu'on se pose à savoir, d'un, qu'est-ce qui va nous coûter moins cher, qu'est-ce qui est mieux. Parce qu'autant une avenue que l'autre comporte ses avantages et ses inconvénients. Exactement, c'est ce que tu vas nous expliquer. Oui, exactement. Donc, j'ai regardé avec des courtiers immobiliers, en fait, à savoir qu'est-ce qu'eux autres ils conseillaient. Puis, il y a une tendance présentement à la hausse qui semble que les gens préfèrent rénover plutôt que vendre. Oui, plutôt que de vendre pour aménager dans une nouvelle maison. Parce qu'on sait que, tu sais, bien sûr, quand on vend notre maison pour en acheter une autre, bien, ça implique toutes sortes de frais. Hein. Ça implique les frais de déménagement, les frais de débranchement, branchement au niveau des communications. Il y a, si on a besoin de faire entreposer nos meubles, le camion. Mais je pense aussi que si on achète une nouvelle maison, peut-être qu'il y a des rénovations à faire aussi. Oui, ça ne veut pas dire que la maison, elle vient tout exactement comme on veut. Souvent, on arrive, on voit vraiment le potentiel de la maison, mais déjà, OK, je vais changer telle chose.
Puis on a un coup de cœur, on peut s'emporter, mais finalement, ça peut devenir beaucoup plus cher à la fin que si, comme par exemple notre maison, des fois, c'est sûr que des fois, elle ne répond plus du tout à nos besoins. Donc à ce moment-là, c'est ça, des fois, on fait une famille, oui, on a besoin de vraiment quelque chose de plus grand. S'il n'y a pas de possibilité de faire une autre chambre à coucher, par exemple, pour l'arrivée d'un enfant, donc des fois, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Je vous dis, c'est mieux d'opter pour la nouvelle résidence. Mais parfois, c'est juste, par exemple, une pièce, la salle de bain, qui nous tanne un peu. On n'aime pas comment c'est aménagé. On veut un nouveau bain plus grand. On veut oui, bien, ça se fait. Probablement que ça coûte moins cher de changer le bain que de changer de maison. Absolument. Mais en effet, comme par exemple, ce qu'un courtier soulignait, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on a déjà une maison, on a payé un certain montant sur la maison, dépendamment du nombre d'années qu'on l'habite, qu'on l'a acheté. Donc, souvent, il y a une liquidité qui se dégage, qui est accessible pour rénover la maison. Donc, dans ce cas-là, c'est beaucoup moins... Plutôt que de refaire une hypothèque qui pourrait être beaucoup plus élevée, on peut juste reprendre ce montant-là pour rénover, que ce soit la salle de bain, la cuisine, une chambre ou le sous-sol. Donc, ça devient intéressant pour bien des propriétaires d'utiliser cette marge-là. Puis, mais c'est sûr que ce que disait le courtier, c'était vraiment quand même de peser les pour et les contre, de regarder vraiment tous les avantages, tous les inconvénients de chacun des côtés pour prendre la décision. Parce qu'il disait, comme par exemple, quand on décide de rénover, des fois, lorsqu'on ouvre un mur, on peut avoir bien des surprises. On ouvre le plancher, si c'est pas nous qui avons construit la maison... C'est ça, comme on avait parlé tantôt, hein? Oui, il y a plein de surprises qui peuvent se cacher. Alors là, des fois, eux autres, ils me mentionnaient entre autres que... Rarement sont ceux qui avaient prévu un budget initial pour les rénovations et qui le respectent. Donc, souvent, ça déborde. Alors, encore là, il faut essayer le mieux possible de bien planifier les rénovations. Puis, c'est ça. D'avoir leur juste aussi. Pas essayer de poser des questions. Encore une fois, on en parle souvent à l'émission d'aller chercher des experts. Mais c'est l'avenue, je pense, la plus intéressante. Oui, à moins de s'y connaître vraiment beaucoup, mais c'est pas la majorité des gens. Donc, c'est sûr ça. Parce que nous, des fois, on se fait des idées. Ça va me coûter ça, mais finalement, quand on appelle, on se rend compte que des fois, c'est le double de ce qu'on avait pensé. Et donc, c'est important de bien s'asseoir, de vraiment regarder, même, tu sais, prendre une feuille, puis de noter, puis de magasiner, savoir, OK, je change mon bain, comment est-ce que ça... Tu sais, au moins un budget initial, parce que là, c'est sûr que les surprises, on ne peut jamais les prévoir. Non, c'est ça. Mais au moins, puis de se garder une marge, savoir si, oui, exactement, si, mettons, il y a tel ou tel problème. Donc, c'est toujours mieux de le planifier d'avance, au moins un certain montant d'argent. Que ça pourrait dépasser, mais ça pourrait être moindre aussi. Donc, au moins, on a planifié notre budget. Puis de l'autre côté, bien, si on déménage, à savoir vers quel prix on va, jusqu'où est-ce qu'on est capable de payer. C'est ça. Puis quelle période aussi? Je pense que vendre, si on décide de vendre, il faut choisir la période. Oui, il y a beaucoup de gens qui, au lieu de rénover, décident finalement de vendre. C'est quoi les avantages? Encore là, souvent, exactement, il y a beaucoup de courtiers qui me disaient, on se fait souvent demander ça, s'il y a une période de l'année pour vendre. C'est ça. C'est sûr qu'il reste, on en a parlé un peu la semaine dernière, il y a des hautes saisons. Il y a février, mars sont des gros mois. On a parlé de l'automne aussi. L'automne, oui, l'automne qui est maintenant la deuxième saison, mais beaucoup plus en termes de magasinage qu'en termes d'achat. Mais à ce temps-ci de l'année, les taux, même à ce temps-ci de l'année, mais actuellement sur le marché, les taux hypothécaires sont encore très bons. OK. Ce qui va peut-être être le cas dans 2 ans. Donc, ce qu'on me disait, c'est toujours le moment d'acheter si les gens veulent le faire. Puis. C'est pas nécessairement d'attendre parce que personne ne peut prédire l'avenir. On a une belle offre qui est là maintenant. Oui, exactement. Okay. Et donc, si on tombe en amour avec une maison, puis c'est ça là qu'on veut, ben dit pourquoi ne pas l'acheter si c'est ça que vous voulez. Et si vous attendez 10 ans, ben pas 10 ans, mais je dis si on attend un certain moment, ben, la situation va être complètement différente. C'est ça, exactement. Le bon moment, c'est le... beaucoup. Oui, et c'est ça. Donc, le meilleur moment, c'est lorsque les acheteurs se retrouvent au rendez-vous avec les vendeurs en même temps. Donc, si vous êtes prêt à vendre puis à acheter de nouveau, c'est peut-être là qui est votre moment à vous de vendre et d'acheter. C'est ça. Donc, on rénove lorsqu'on a des petites rénovations à faire puis qu'au final, ça nous coûte moins cher. Ou on essaie d'évaluer. C'est ça. À savoir combien ça va coûter. On n'évalue pas tout seul, on évalue avec un spécialiste. Oui. Et si on décide de vendre, c'est parce que vraiment, là, ça ne nous convient vraiment plus. On a un nouveau-né à la maison, donc il y a beaucoup plus de changements. Donc, c'est mieux de vendre que de tout changer, comme vous dites. Puis encore là, il faut toujours prévoir quand même dans les coûts reliés au déménagement. Il y a aussi les frais de notaire, il y a la taxe de bienvenue. C'est toutes des choses qui sont à prendre en compte parce que c'est sûr qu'il faut être capable de les payer. Donc,
à savoir si, par exemple, juste rénover la salle de bain, changer le bain pourrait faire l'affaire. Bon, peut-être qu'on peut rester quelques années supplémentaires dans notre maison, si on l'aime encore. Exactement, c'est ça. Donc, Maria, on va faire un petit résumé de l'émission d'aujourd'hui. On a parlé de problèmes d'isolation. Oui, la vermiculite contaminée à l'amiante, notamment. Mm-hmm. Donc, on vérifie, mm-hmm. on fait inspecter. Donc, c'était quoi les choix que tu nous avais donnés? C'était soit de boucher les trous? Oui, mais en fait, si d'un, il faut bien sûr vérifier si elle est contaminée ou non, parce qu'il ne faut pas s'alarmer. Ce n'est pas parce que c'est qu'on a de la vermiculite dans la maison qu'elle est nécessairement contaminée à l'amiante. Donc, mm-hmm. on fait un test. On appelle des spécialistes. Pour procéder au test. Puis si jamais c'est le cas, bon, c'est sûr qu'il n'y a pas plein de choix. Donc, mm-hmm. on peut décontaminer, ou on peut ne pas bouger du tout l'isolant, ou bien sûr, on peut, s'il y a des trous, on essaie de boucher le plus possible pour éviter que l'amiante traverse les murs puis se retrouve dans l'air c'est de la maison. C'est ça qu'on respire, oui, c'est ça. Exactement. Et on a parlé aussi d'inspection, donc ça, c'est oui. la meilleure façon de voir si on a des problèmes d'isolation, c'est de faire inspecter la maison. Oui, non, savoir vraiment si on a de la vermiculite ou non. Bon, c'est au niveau de l'inspection, c'est un inspecteur qui peut nous le dire. Puis à ce moment-là, on peut justement voir si on investigue là-dessus, si on est inquiet. Mais au moins de savoir qu'est-ce qu'on a comme isolant dans la maison. C'est ça. Puis on choisit aussi un bon inspecteur parce qu'on sait, il y en a, comme tu nous avais dit, qui peuvent tourner les coins les ronds, ronds, puis on ne oui. veut pas ça. Parce non, exactement. Final, mais il y a de très bons inspecteurs, donc on peut magasiner, y aller par bouche à oreille aussi. On connaît tous quelqu'un qui a fait affaire avec un inspecteur. Donc plutôt que de choisir le premier nom dans le... Dans les pages jaunes, mais peut-être que justement, on va voir au niveau de nos contacts si on peut avoir. S'ils peuvent nous référer. Oui, mm-hmm. exactement. Parfait. Et finalement, on a parlé aussi de vendre ou rénover la maison. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on fait? Tout dépendamment de nos besoins. Oui, exactement. Mm-hmm. Puis, bien sûr, de peser le pour et le contre de chacune des options. Comme ça, parce que souvent, que ce soit l'un ou l'autre, ça implique beaucoup d'argent. Alors, de savoir vers quelle avenue on veut se diriger. Fait qu'on on s'assoit, on prend le temps de vraiment voir, de tout planifier. C'est ça. Le plus possible, parce qu'on peut toujours avoir des surprises, mais... On se fait un budget aussi réaliste. Oui, mm-hmm. exactement. Parce que des fois, notre maison peut très bien faire l'affaire, là. Parfois, juste changer le bain, la douche ou... Ça fait toute la différence. Oui, exactement. Puis si on l'aime encore, notre maison, ben pourquoi déménager si elle répond encore à nos besoins? Exactement. Merci, Marie-Ève. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Puis si les gens veulent avoir plus d'informations concernant les sujets qu'on a parlé aujourd'hui, ils peuvent consulter l'Écho de Laval qui sera publié mercredi prochain dans le SAC+. Oui. Donc, merci. Et à la maison, je vous dis merci beaucoup. À la semaine prochaine.